Bonjour Mathis, enchanté. Enfin. Ça va, vous n'avez pas eu de mal pour trouver? Non, ça va, merci. Okay. T'as un projet de fille, j'ai bien compris. C'est ça, exactement. Bon, montrez-moi ça. Si. Le marabout de Bagnolet. Le marabout de Bagnolet. Mais c'est quoi l'histoire alors? Alors c'est l'histoire d'un marabout. Mmh. Ça fait longtemps qu'il est en place, il sévit vraiment sur Bagnolet, il arnaque les gens. Il se fait un tas de fric sur le malheur des autres. D'accord. Bon, c'est un court-métrage, un moyen-métrage? Alors, ça serait plus un documentaire. Ah, un documentaire. Voilà, un documentaire en caméra cachée. À caméra cachée? Pourquoi caméra cachée? Parce qu'il faudrait le coincer, ah. Et le prendre en flagrant délit. D'accord. Je vois bien, mais... Donc voilà, vous n'êtes plus du tout dans la fiction pour raconter une histoire, vous avez vraiment... Non, c'est vraiment un reportage, un documentaire sur ce marabout qui sévit et j'ai moi-même été victime de ça. Ah d'accord. Ma mère, ma grand-mère était victime de ça, énormément de gens à Bagnolet ont été victimes de ça. Donc faut vraiment, c'est pour dénoncer ces faits et... Professeur pour que ça s'arrête. Grand voyant médium, parmi nous, satisfaction 48 heures maximum. Ah ben ça va. Donc en fait, vous voulez le coincer? Voilà, il faut le coincer, il faut le coincer absolument. En caméra cachée. En caméra cachée. Bon, je vous cache pas que la caméra cachée, c'est très compliqué. Hein, dans le milieu du cinéma, enfin plutôt de la télévision. Vous avez quel âge? 19 ans. Ouais. Vous avez réalisé déjà des... Des clips. Ouais. Jamais de... C'est mon premier, ce serait mon premier. Ouais. Oui. Bon, alors, je vais vous dire, jamais une chaîne va prendre un jeune réalisateur pour tourner en caméra cachée. Et donc, ils vont jamais envoyer un jeune réalisateur qui a jamais fait de... Voilà, de... si je peux faire, mon projet est bon, j'ai non, plus mais ça longtemps, j'ai pas dit le marabout, c'est non, l'histoire, mais j'ai faut pas dit faire, mais... ça... Oui, mais en fait, une chaîne, et moi, si j'ai pas une chaîne pour financer le projet, je peux pas le financer. Mais ça, après, c'est votre travail après ça, moi je mais, non, mais moi je vous donne les obstacles qui vont se présenter à moi. Les chaînes ne vont jamais prendre votre sujet. Un jeune réalisateur de 19 ans qui a fait des clips et qui veut tourner l'histoire d'un marabout en caméra cachée, ça va façon, jamais j'ai envie de vous dire, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil avec vous, les producteurs, non, vous mais... le même projet. Moi c'est j'ai dit justement vrai, c'est... de vous préserver pour pas qu'on aille comme ça, vous faire faussement espérer. Jamais ils vont prendre. Donc vous avez 19 ans, vous êtes jeune, votre histoire est bien. Alors si mon histoire est bien, c'est ça, je comprends. Non, mais... Si mon histoire est bien, bien. Écoutez, c'est toujours pareil, c'est bon. Merci, au revoir. Professeur de Courret. Non mais c'est pas vrai, hein. Je t'en fous vraiment du professeur de Courret. Allô? Professeur Dougouré? Oui, non, ça pas satisfaction 48 heures, non, oui, non, c'est ta femme. Non, mais tu te fiches de moi, hein. Tu te fiches vraiment de moi. Hein. Tu m'avais dit que t'avais arrêté toutes tes conneries, et visiblement, non. Tu sais qui vient de sortir, là, un petit jeune que t'as arnaqué, enfin, t'as arnaqué tout le monde, lui, sa famille, sa femme, sa mère, sa sœur. Il est furieux, il veut tourner en caméra cachée un reportage qu'il veut diffuser à la télévision. Tu vas finir en prison, hein. Tu vas finir par finir en prison. Tu m'avais promis que c'était terminé. Non, il n'y a pas de ma chérie. Non, attends, écoute-moi. Ah non, ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Non, ne dis pas ça. Moi, je t'ai dit que j'ai arrêté, ma chérie. Non, mais tu crois à qui? Tu crois à moi ou tu crois aux autres? Arrête de croire aux gens, mais moi, je t'ai dit que j'ai arrêté. Écoute-moi, non, je veux plus t'entendre. Non, c'est fini là maintenant, c'est fini. Tu m'avais dit que t'avais arrêté. En fait, tu racontes n'importe quoi. En plus, t'as ta photo là en plein. Non, mais attends, t'as peur de rien. Hein. T'as donné un numéro de téléphone, cette adresse, je sais pas d'où ça sort. Oui, c'est ça, satisfaction 48 heures. Non. Mais qu'est-ce qui. Déjà. Non, déjà, ils vont te dire n'importe quoi, tu crois à ces gens-là. Pourquoi tu crois pas à moi? Moi, je t'ai dit que j'ai arrêté. Mais non, je t'ai dit que j'ai arrêté, je crois à moi, ma chérie, j'ai arrêté. Je t'ai dit que j'ai arrêté, mais crois à moi. Bon, attends, on va régler ce soir, on va régler ça, ce soir. Tu peux,
Tu veux m'écouter? Écoute-moi. Ce soir, on va régler. Ce soir, on va régler. Il n'y a pas de... on voit ça ce soir à la maison. Tu plies tes affaires, tu fermes ton téléphone portable, tu coupes la ligne et puis tu reprends ta tête normale là, parce que tu as l'air de n'importe quoi. Donc maintenant, ça suffit. Non, mais ça suffit. Non, il n'y a pas de ma chérie, je t'aime et je vais t'expliquer. Tu vas rien m'expliquer du tout. J'ai tout compris. Hein. Non. Alors, tu vas finir en prison et je vais finir en prison aussi parce qu'ils vont faire le lien. Lui, il va... Attends. Il est furieux. Tu as arnaqué tout le quartier. Moi, j'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait de grave? Escroquerie. Qui ça, lui, sa famille, son truc. Mais c'est son problème. C'est la dernière fois. Tu m'entends? La dernière fois. D'accord? Après, c'est fini. Oui, c'est ça. On verra ça ce soir et pas en 48 heures. Hein. Ça sera ce soir qu'on va régler cette histoire. D'accord? Oui, je t'attends là. Allez, à tout de suite. Oui, il n'y a pas de ma chérie là, je ne veux plus t'entendre. Ne m'appelle pas ma chérie, ça ne sert à rien. Voilà, c'est terminé? D'accord. À ce soir. Mais il va nous foutre en taule, hein, ce con. Hein. Il va y arriver, hein, professeur de Courrier. Oh là là. Là, il faut que je me batte parce que là, c'est chaud. Non, c'est mal parti pour moi. Ma femme, là, elle va me tuer ce soir. Mais non. Non, je ne sais plus pas quoi. J'ai oublié quoi. Non, c'est bon. Là, j'ai tout. Ah, mais... Non. Le problème, là, c'est l'argent. Il est là. Oh là. Je travaille pour ça, il est là, voilà, c'est bon.